camions se gavaient de poubelles, où les vis travaillent encore et dorment les hôtels, où je marche sans souvenir d'une nuit trop lointaine. C'est l'heure, c'est l'heure où les ruelles toilettées se croient belles, où les bouches d'égouts n'ont plus mauvaise haleine. Bref, c'est l'heure où la ville se nettoie les veines. C'est l'heure, c'est l'heure où les cartons se déplient sur l'asphalte, sous un ciel éclairci tirant sur le cobalt, s'éveillent leurs résidents, résidus de société. C'est l'heure, c'est l'heure où l'amnésie attire lendemain, tout ma pupille encore un peu trop dilatée refuse la lumière et sa vérité. C'est l'heure, on m'a volé la lune quand j'allais la toucher, où est passée la brune qui semblait la porter. C'est l'heure. J'ai rencontré un... En fait, moi, j'étais en entreprise, j'avais fait un CIF pour faire infographiste. Et dans le cadre du CIF, on avait un stage en entreprise et j'ai rencontré François Cognier. Donc, il me dit, ouais, moi je suis breton, ça fait 4 ans que je suis à Dijon, je connais personne, je joue de la musique, j'ai Cubase chez moi, j'enregistre. Bah, je dis, tiens, moi je fais un peu de chansons, puis ce qui m'amuserait, c'est d'enregistrer les chansons pour que je les montre à mes gamins, quoi, un jour, que j'ai fait quelques chansons, qu'elles sont ce qu'elles sont. Mais... Et donc, avec François, on a commencé à rigoler, à être pas mal, aller pas mal chez lui, à répéter. Il jouait un peu de tous les instruments, comme ça, c'est un peu les instrumentistes. Et on a appelé, j'avais un copain qui s'appelle Marc Descloîtres, qui jouait aussi, mais qui ne jouait plus à ce moment-là, qui était bassiste, il nous a rejoint. Et on a fait De Verre en Père, ce petit... puis on a été jouer pour une soirée cabaret le premier coup. Il y en avait qui faisaient les vents, puis, nous on jouait nos chansons, c'était un truc vachement sympa. C'est marrant parce que le premier jour on a fait ça, c'est comme dans une soirée cabaret un peu voilà, de quartier, pas un truc pas très prétentieux. Et les gens sont venus demander des autographes. On était... Sur le comptoir de l'univers, une Vénus crépusculaire boit du lait rhum un peu amer en attendant son Jupiter. Dans sa parure d'oripo, ainsi à l'aise comme dans Saturne, une fumée bleue de Neptune sortant de sa bouche en anneau. De verre en verre, au bas de l'univers, de pierre en pierre, les pieds sur terre, j'avance à des marches peu sûres, les yeux me sortant des orbites. J'ai dit à la belle qui m'évite, tu me fais grimper le mercure. Je suis au bord du Big Bang, je frôle déjà le désastre. Laisse-moi goûter à ta langue, ou tu vas voir mourir un os. De verre en verre, de l'univers, de pierre en pierre. Et puis la première date payée, alors ça c'est drôle, c'est étonnant surtout. C'était la prison de Dijon. Première date où on a joué, ça a été la prison de Dijon. Et après, on a fait quelques petites dates comme ça. Et à la 6e date qu'on jouait, on a fait la première partie de Tetraed. La 7e, on faisait la première partie de Thomas Fersen. On se disait, c'est quoi ce délire? Enfin, nous, on était un petit peu foufou d'abord parce qu'on aimait bien les gens dont on faisait la première partie. Mais on était un peu barré. On se demandait ce que c'était que cette histoire. Et puis, on avait toujours pas, il n'y avait pas d'intention de... Enfin, moi, j'y allais pour déconner. Quand on commence à 37 balais, on se dit pas, je vais aller tout casser et puis étonner tout le monde. Enfin, puis c'est peut-être pas le but. D'ailleurs, j'ai pas du tout l'intention de bouleverser le paysage culturel français. Donc, mais voilà. Et puis en fait, on s'est laissé emporter parce que après, les choses sont venues doucement. Puis au bout de 2-3 ans, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je crois que la dernière année, on a fait 42 dates en même temps qu'on bossait. Donc voilà, à l'aube des 40 ans, on s'est tous dit, on fait quoi? On arrête, on continue, mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourra pas faire les deux des années. Oh 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 oh, qui tu t'en vas? C'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant, attention, 3, 4, sans sûr que t'oublies rien, tu sais, ce serait dommage. Veux-tu un coup de main pour boucler tes bagages? Ne fais pas ces yeux-là, on dirait que tu vas pas partir. Si tu penses revenir, passe au bureau de tabac. J'ai plus rien à fumer et je bois bien un verre. Si tu venais à réduire. Alors,
Ok, tu t'en vas. Ok, tu t'en vas, c'est la chanson la plus vieille que j'ai dans le répertoire. C'est-à-dire qu'elle doit avoir presque 25 ans. Ok, tu t'en vas. C'est une grosse déconne à la base qui n'était pas du tout prévue pour jouer devant des gens. Enfin, je ne pensais pas, je le jouais pour mes potes et c'était pour vraiment la grosse déconne. Et quand on a décidé de verre en verre, donc de prendre cette chanson, puisque d'ailleurs ça a été dans les premières qu'on a fait. Enfin, on avait fait deux, trois avant, puis il y a eu cette. J'ai dit, oh, j'en ai une comme ça qui déconne bien. Puis. Et au moment où on a décidé, j'ai fini d'écrire j'ai écrit le troisième couplet sur le bord de la table. Je me suis dit, oh, ben, ça ira bien à ça, c'est pour déconner de toute façon. Mais vraiment, ça m'est beaucoup plus difficile d'ailleurs d'écrire aujourd'hui comme ça. C'est une chanson de déconne où on se lâche un peu, puis c'est pas écrit. Okay, tu t'en... Mais ça fait, je pourrais le dire, j'habitais Talent à ce moment-là, dans un appartement, dans une résidence, et j'avais commencé de l'écrire là, à cette époque-là, et je l'ai ressorti donc quand même quasiment 15 ans après. Je sais. C'est pas si facile les frais, ça va te faire enrichir, tu sais. Faut pas te faire de bile jamais, oh non ça je te jure ça jamais. J'oublierai cette idylle, ok tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je n'en ai rien et c'est pour ça que tu te fais la belle. Ok tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant descendre les poubelles, si d'aventure un jour tu es seul et perdu, que tu aies fait le tour de trop de superflu, à l'instar d'une reine, je t'écrirai du verre, si jamais tu ramènes. Sébastien téléphone, crac, invite Yves pour lui filer un coup de main en lui proposant une télé. On se raconte, on lui explique la problématique de notre boîte de prod et quelques semaines après, il envisage de racheter si on est d'accord. Au même moment, on fait la signature avec notre maison de disque Vagram et tout s'installe voilà, au moment où on s'attend le moins. Voilà. Donc Sébastien a fini la production de l'album Le Coquelicot qu'on sort dans la foulée en signature chez Vagram. Album qui devient disque d'or en à peine un an, je crois. Voilà. Et j'en suis, donc je réalise mon premier disque, là où je fais mon malin. Je réalise un disque, il est disque d'or. Merci Yves. Le coquelicot de ta bouche et fleur le grain de ma peau. Dès que son pétale le touche, comme des mots, c'est que de ta bouche, colorant le grain de ma peau. Ce sont tes baisers qui font mouche, rouge la peau. S'il n'y a plus de mots sur le bout de nos langues, que le verbe nous manque. L'amour n'est plus beau. Le coquelicot de ta bouche et fleur le grain de ma peau. Dès que son pétale le touche, comme des mots éclos de ta bouche, colorant le grain de ma peau. Ce sont tes baisers qui font mouche, rouge la peau. C'est un ami. Vraiment, je fais pas de chichi là, c'est un ami. C'est-à-dire que, voilà, c'est au départ un artiste que je rencontre. C'est un ami, c'est un formateur, parce que moi qui viens de la musique, je m'intéressais plus quand j'étais minot à pop-rock, anglaise, américaine, et j'avais un rapport à la chanson qui était assez pauvre. Et à travers Yves, là, en 7 ans, j'ai découvert vraiment un monde que je méconnaissais totalement avant, et qui nous ramène à chez nous. C'est pas pour faire franco-français, mais vraiment, il y a des artistes magnifiques, et je découvre l'écriture, voilà. Et Yves, pour revenir à lui, c'est un authentique. Franchement, c'est pas un artiste foutaise, c'est-à-dire que c'est pas un type qui est fabriqué ou qui s'est fabriqué ou qui a fait un personnage. Il sait l'homme public qu'il est, il sait aussi l'humain qu'il est, et tant dans son écriture que dans son rapport à l'art, c'est un garçon qui peint aussi, qui fait de belles choses. C'est un authentique, c'est-à-dire que si les choses viennent, elles sont comme elles viennent en les travaillant, mais il bricole pas, il aménage pas, il bidouille pas, il peut abandonner une chanson pour quelques mots qui ne lui conviennent pas. Et il n'y aura pas de souci. C'est un authentique, voilà. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, vous retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de les espoirs. C'est possible. À deux. Je passais par hasard, c'est. D'abord, l'album, je l'ai nommé comme ça parce que j'avais une chanson qui se nommait comme ça, puis que c'était plutôt
pour dire un peu au métier, faites pas attention, puisque apparemment personne ne fait attention. Je suis, en fait, je ne suis pas un chanteur engagé, je suis un chanteur discrètement engagé. Non, non, mais... ou l'engagement discret, je sais pas, un truc comme ça. Non, mais... pour revenir à... je passais par hasard, donc j'avais pris ce titre-là pour l'album pour ça, mais le titre lui-même est plus... Voilà, c'est plus violent que ça, c'est effectivement le mec qui passe chez des gens, et chez des copains qu'il avait d'avant, qui était un super couple, que tout le monde aimait bien, puis s'aperçoit que la nana se fait tonier, et puis qu'elle prend des branlées, et puis que... Puis c'est un peu le mec d'ailleurs qui reçoit, et il est un peu comme un con, parce que quoi dire devant, sinon viens, je t'aide, ce que je peux faire, c'est vachement dur, donc c'est une façon, j'aime pas le mot dénoncer, on n'a pas besoin de moi pour dénoncer ce genre de choses, on n'a besoin de personne, on le sait, tout le monde le sait, faut arrêter l'hypocrisie, c'est tout, c'est histoire de faire rentrer aussi dans c'est pas tout le temps un homme alcoolique, dans la misère, dans le quart monde, avec un mec alcoolique et puis 15 enfants et puis le mec qui tape sur la nana. C'est dans cet esprit-là que je franchis le seuil de cette jolie maison et d'un désir nuptial. Mais là je reste quoi, interdit sur l'écueil qui brise la passion en horreur conjugale. Nous voilà tous les deux accablés de silence. Je cherche en vain les mots qui pourrait te porter, effacer tous ces bleus, enfin des mots qui pensent et se glissent sur ta peau, au corps terrorisé, les mains de ma lenteur tremblent de te toucher. Je m'approche quand même et te prends dans mes bras. Tu t'enfouis dans le creux de mon cou pour pleurer. Tu dis c'est la vieille voix qui me fait ça. Je passais par hasard, je passais pour pouvoir pour retrouver un. Et mon rôle de producteur est très infime, c'est-à-dire que moi, je suis un producteur qui dit à l'artiste, fais ce que tu veux. Tu vois, je donne mon jugement sur quelques chansons, mais de toute façon, il fait ce qu'il veut, il en fait qu'à sa tête. Ça ne change rien, mais j'aime ça, de toute façon. Et puis, j'ai une vraie tendresse pour l'homme, pour l'interprète, déjà, parce que je trouve que c'est un interprète hors homme. Alors moi, l'image que j'ai de chanteur populaire, copain de Chirac, avec Jamais, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Mais en fait, je suis beaucoup plus rock'n'roll que tous ces mecs-là, quoi. En fait, au fond. Et Jamais, c'est ma famille, voilà. Avec un moyen d'expression complètement différent. On peut être de la même famille et pas porter les mêmes habits. Hein. C'est ça. Et ce type est attachant parce que ses excès me plaisent, parce que sa voix est magique, déjà. Son âme est magique. Moi, j'aurais toujours une image extraordinaire. C'était la première émission où il chantait dimanche. C'était une spéciale des Gypsies, je crois, le Chico et les Gypsies. Et il y avait Lio dans la salle qui ne le connaissait pas. Et qui s'est mis à pleurer, mais c'est une des plus belles larmes que j'ai vues. Parce que c'est une vraie larme d'émotion, une vraie. Je veux dire, une chanteuse n'a aucune raison de pleurer devant un chanteur qu'elle découvre à la télé. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça, moi. Et il y a une larme naturelle sur une chanson qui n'est pas triste, d'ailleurs, qui est juste sur l'émotion. Et pour moi, c'est un grand moment de télé, ça. C'est un dimanche comme tant d'autres. Qui déjà me vit de le cœur. Une petite bête noire se vautre impunément sur mes humeurs. J'ai la déprime à fleur de peau et l'automne dans les entrailles. Passe une bière placebo ne peut soigner ce qui m'entaille. Et toujours la marche funèbre de cette semaine qui crève. À cette détresse, une trêve. Poser ma bouche sur tes lèvres. Caresse-moi, caresse-moi. J'ai le ventre gonflé de larmes. Ce soir, la vie me rythme. Caresse-moi, caresse-moi. Caresse-moi, caresse-moi. Sans poser avant qu'il n'expire tes mains sur moi, caresse-moi. Mais la rencontre avec Patrick après a été étonnante parce qu'on est arrivé, il y avait Didier Grebeau et Daniel Fernandez avec moi, parce qu'on jouait la veille ensemble. On est arrivé dans ce grand cabaret qu'on a vu quand télé et tout, ça se fait casser. Et c'est marrant parce que c'est la première fois, en tout cas depuis, je n'ai pas fait énormément de télé, mais le peu que j'ai fait, c'est le seul endroit qui est un petit peu, voilà, qui fait un peu rêver, qui est, ah ouais, on arrive dans un vrai décor et tout ça, c'est assez sympa.
Et puis c'était drôle parce qu'on arrivait ça répétait, il y avait du monde, ça grouillait un peu comme ça. Et Patrick, ce grand bonhomme qui était au milieu, qui à un moment fait « Ah ! Yves Jamais !» Et toi, t'étais là, tu dis « Oh putain, où suis-tu ? Vous connaissez pas Yves Jamais ?» Et voilà, c'est parti comme ça. Et il est après ce qu'il est habituellement lui, cette espèce de générosité exacerbée que d'autres confondent avec une espèce de mégalomanie, mais c'est pas vraiment ça. Et Jean-Louis, il a ce truc d'être comment ? Il est patron de bistrot et en fait, il est comme tous les patrons de bistrot, il écoute les autres se lamenter. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Les gens vont arriver, ma femme, mon boulot, mon chef. En général, il entend que ça, quoi. Pendant des heures. En fait, Jean-Louis, c'est un peu comme un psy, quoi. Sauf qu'au lieu d'être couché, on est accoudé. J'ai fait 15 ans de psy. Jean-Louis, j'ai comme des langues, c'est sans blabla des cris. Ça vient de l'intérieur, ça me déchire un peu. Jusque dans les artères, comme un souvenir trop vieux. T'en laisser ouvert ce monde là, mes cœurs. Regarde les nos chefs, qui fait pousser des fleurs au bord. Des SDF, on les emmerde tous, serre-moi n'importe quoi. Je m'en fous pourvu que ça mousse et toi. Qu'est-ce que tu bois s'ils nous prennent pour des cons? Ne fait-on pas tout pour, y'a plus de révolution, mais y'a toujours une cour. Ils nous fliquent, ils nous guettent, nous brident et nous contemplent. Moi je veux bien être honnête, mais je manque d'exemples. Ils n'en ont pas fini de nous laisser pour dupes, pratiquant l'alchimie. C'est le jeu du parachute, tandis qu'on se bat pour ramasser quelques miettes. Ces coques de basse-cour, enfoirés nous raquettent. On parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à voir. Jean-Louis, c'est bon, voilà, Jean-Louis, ça c'est... Quand je l'écoute, je vois Brel. Et alors c'est un espèce de mélange, ce petit bonhomme, entre Brel, Gainsbourg évidemment, Daniel Auteuil dans Hugolin, pour la casquette et aussi pour les amours déçus. Il y a du Ferré. Et Jamais est un peu par procuration ce que j'aurais aimé faire dans la chanson. Voilà. Je suis président de club de rugby pour vivre par procuration ce que je n'ai pas pu vivre en tant que rugbyman. Ce que je fais me plaît, m'intéresse, je sais le faire en plus, et puis il ne faut pas dépasser ses capacités. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que j'aurais aimé chanter, ce que j'aurais aimé être si j'avais été chanteur sérieux. Voilà. Je crase une cigarette à moitié pas finie dans le bol d'habitude décaféiné. Le temps est comme moi, incertain et tout gris. Il est 7h15, il est temps d'y aller. Il est 7h15, il est temps d'y aller. Je referme la porte sur l'appartement vide et le pied machinal, je descends l'escalier. Ce rituel commence à se faire dérider. Moi je fais celui qui n'a pas remarqué et moi je fais celui qui n'a pas remarqué. Et ainsi tous les jours je me noie dans les eaux, dans le bus abruti qui me mène au boulot. Savoir aimer la vie qui est la nôtre et se dire qu'on évite les problèmes conjugaux. Je vis tout seul, je parle tout seul, je dors tout seul, je rêve tout seul. Je vis tout seul, je parle tout seul, je dors tout seul, je reste tout seul. Je suis invité d'honneur au festival de Montauban. Non, ben voilà, ouais, je suis là pour ça, en tout cas cette semaine, toute la semaine, je reste sur le festival de Montauban, où ils ont eu la jolie idée, vachement sympa pour moi, en tant que Joe Mazur et son équipe, de m'inviter d'honneur à chaque festival de leur chant, ils ont un invité d'honneur. Et cette année, c'est moi, c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. C'est bien, il faut un peu le boulot des fois que les médias font pas, donc c'est plutôt cool. C'est bien de Je le prends pour moi, mais je le prends aussi pour d'autres qui font le même genre de chansons et qui n'ont pas forcément une ouverture sur ce genre de choses. Donc quand on nous met un peu en avant, c'est plutôt cool.
Ben, on a décidé d'honorer, nous, des jeunes artistes qui étaient passés par nos découvertes depuis le 21e, donc. Et donc, on a reçu Benabar en 2006 comme invité d'honneur, San Severino en 2007, Ronan Luce en 2008. Et cette année, on avait décidé de continuer dans cet axe-là. Bon, Yves sortait son album à l'automne. Et puis nous, on avait envie d'affirmer des choses, donc on a décidé de l'inviter et puis de l'honorer à notre façon. Ouais, cette année ouais, bah, le fait d'être invité d'honneur, je vais avoir des duos à faire, c'est clair. Enfin, à faire, c'est pas un labeur, au contraire, c'est plutôt des rencontres. Alors, il y a des rencontres de gens que je connais, je vais chanter avec Benabar, mais ça va être la première fois, par exemple. Je vais chanter avec Agnès Bill, mais on a déjà chanté ensemble. Il va y avoir des invités dans mon propre spectacle, donc j'ai appris plein d'autres chansons, ouais, c'est un peu le... Et puis, il y a des gens comme Ben C que je connais pas, mais c'est Joe Mazur qui me dit, ah, ce serait bien que tu fasses. Et je trouve bien aussi d'aller voir justement des gens qu'on connaît pas, et puis qui est dans un autre univers. Il est dans un univers plutôt pop rock. Et c'est bien d'aller se confronter comme ça, c'est vachement sympa. J'ai été invité d'honneur il y a 3 ans maintenant, sur la dernière tournée. Cette année, c'est Yves et c'est Bienvenue d'ailleurs. Je trouve ça tout à fait normal et tout à fait. Je trouve que c'est. Mais il y a une certaine logique. En plus, moi, à Montauban, mais comme Yves d'ailleurs, à Montauban, moi j'ai commencé dans les. Je suis venu une première fois dans les petites salles, enfin dans les. On a passé un peu tous les stades de Montauban. Joe Mazur et toute l'équipe d'ici nous ont suivis depuis vraiment longtemps. Donc il y a une espèce de logique à notre présence répétée à Montauban. C'est-à-dire que ça fait partie des festivals. Qu'on veut faire, quoi. Tant qu'ils veulent bien de nous, évidemment. Les porteurs iront pas plus loin, pas plus loin. Docteur Livingstone, le sait bien, lui le sait bien. Malédiction, 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 malédiction. Ah oui, où on s'était vu en Suisse, oui, en Suisse autour du lac, oui. Je me souviens de ce truc-là dans la petite caravane. C'était un peu chaud pour toi. Ouais, j'étais un peu en dépression. On en avait profité pour fraterniser un petit peu. Autour d'une bouteille, comme de par hasard. Et ouais, parce que c'est. Autant on a vraiment des métiers privilégiés, mais qui présentent certaines difficultés, quand même, mine de rien, même si faut pas le dire, parce qu'on a les métiers faciles par rapport aux autres métiers, quoi. Donc. Parce qu'il y a des petits soucis que seuls les copains chanteurs peuvent comprendre. C'est par exemple le truc très indécent de trouver ça très difficile d'aller chanter devant une salle pleine, par exemple. Et ce qui est un truc que plein de gens rêveraient, quoi. Et nous, des fois, parce que pour plein de raisons et plein de mauvaises raisons, mais 2-3 bonnes raisons, c'est très difficile. Donc ça, plein de... On peut pas le comprendre et c'est normal, parce qu'il y a des gens qui galèrent pour payer leur loyer. Alors comment expliquer que c'est difficile d'aller chanter et de se faire applaudir, quoi. C'est même insultant, quoi. Beau costard, je m'y connais. Messieurs,
messieurs, dames, bonjour. Aldebert, je serai en duo avec Yves Jamais dans très peu de temps pour un duo inoubliable en direct live de Montauban. Bisous, ciao. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand, toi qui grandis tous les jours, je te dis c'est pour quand. Comment je vois le père Jamais? Je vois une forte personnalité, un personnage très entier, très intègre par rapport à ses textes, par rapport au métier aussi, et quelqu'un d'accessible et de très humain. Je dis ça très sincèrement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et puis c'est quelqu'un qui vient du bar, et moi je viens de là aussi. J'ai commencé à chanter un peu dans les cafés, dans les restos, tout ça. Donc il y a un truc qui se crée quand on commence comme ça, c'est que on est forcément avec les autres et on joue forcément pour les autres. On a besoin de ça. Et du coup dans la relation, ça installe quelque chose de très fluide, de très simple et de très agréable, je dirais. Et Yves fait partie de ces artistes là, c'est-à-dire que quand on les voit chanter, on en prend plein la gueule. Et moi j'aime beaucoup ça, quoi. Et puis il y a un côté aussi très musical, très stand-up que moi j'adore. C'est-à-dire que quand on va voir le père Jamais en concert, c'est pas un tour de chant et puis point barre, on vient pas écouter le disque sur scène, on vient voir un spectacle, on vient voir un mec et tout, des musiciens, tout un univers. Et l'importance qu'il peut accorder aussi à l'entre-chanson. Ouais, c'est quelque chose de très important aussi, c'est ce qui va se passer entre les morceaux. C'est aussi important que la chanson, presque. C'est là qu'on va emmener les gens dans les chansons, dans l'univers. Et Yves fait ça très bien, de façon très forte aussi. Donc c'est pas la casquette, la gouaille, l'accordéon, c'est pas ça jamais, quoi. C'est un vrai auteur-compositeur-interprète puissant dans tous les sens du terme. Cette étrange affaire d'un bout à l'autre de l'existence. Si le temps passé reste éphémère, le temps qui s'écoule est immense. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? On se répète ça tous les jours depuis la nuit des temps. Un bon coup plaît. J'ai usé tous mes ustensiles pour faire saliver vos papilles. Les mamies. C'est vraiment une rencontre 100% Montauban pour le coup. Ouais, pour le coup. Ouais. On s'est rencontrés dans une émission, l'émission de radio du festival. Ouais. Yves était invité, on l'était aussi, et c'était rigolo, parce que je lui ai dit, bah, c'est marrant, parce qu'en venant, avec Zut, on s'écoute un petit peu de tout dans le camion, et moi, je m'écoute du Yves Jamais. C'est à quoi il a répondu, bah, à la maison, j'ai ma fille, elle me bassine avec Zut, donc voilà, les présentations étaient faites. C'est quand même notre question préférée. Merci beaucoup. Ils ont été sages, les Zut. Oui. Moi, j'ai regardé, je ne les ai pas trouvés très sages. Ah. Je suis le cuisinier des bons. Écoutez-moi tous les lardons. Oui, tous les pères de chansons. À notre affaire, tout va bien. La maison n'est pour plus qu'à vie. D'abord, trouver les ingrédients. Il a un public extrêmement large. C'est beau à voir aussi. Ça part des minots de 12 ans jusqu'au dernier lecteur de Tintin à plus de 77 ans aujourd'hui. Et je reçois beaucoup de mails des gens qui le voient en concert. Et on n'a pas des mails de fans traditionnels qui seraient sur des choses légères.
les chansons de Yves sont quand même assez en profondeur et très sensibles des blessures de la vie. Et donc les gens se racontent pas mal des fois dans les mails. Donc on a un public qui se projette beaucoup sur Yves. Alors c'est très particulier parce qu'en même temps on n'est que dans de la chanson, mais on est dans du sensible. Matin quand je me réveille, j'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ça n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligée de me céder. Y'en a qui seront, y'en a qu'auront, et ce sont qui nous dirige et qui nous gouverne. La chanson, y en a qui, elle a repris dans les manifs, elle a repris dans la CGT, la reprend, enfin tout le monde la reprend, c'est plutôt, j'ai même vu la CFDT la reprend, alors que pourtant la CFDT je les ai cassés, mais ils la reprennent aussi. Non mais c'est d'abord ça, je j'ai pas fait une chanson pour choisir qui avait le droit de la chanter, de l'écrire, de l'écouter. Moi j'avais envie de faire une chanson de colère, une chanson de révolte à travers ça. Je trouvais sur un truc qui est très banal mais assez révoltant. Et ce que j'avais entendu à l'usine, ce que j'entendais quand je bossais, hein, pas qu'à l'usine, un peu partout, quand il y a des grosses entreprises, souvent les gens disent putain, il se fait pas chier quoi. Enfin, ça va quoi. Moi j'ai vu des mecs arriver en Porsche au boulot et tu dis putain. T'es obligé d'aller en plus essayer de faire baver, tirer la langue à des gens parce qu'ils. Il y a un côté comme ça, il y a une indécence qui me plaisait pas. Moi j'ai voulu ressortir cette indécence, ressort toujours pareil, j'ai travaillé sur cette émotion-là, j'avais envie de faire une chanson qui donne envie de lever le poing. Je suis content parce qu'elle donne envie de lever le poing. Voilà, j'ai en tout cas atteint mon envie. Je dis pas que je me déresponsabilise du propos. Le propos, je suis d'accord avec. Mais je continue de dire aussi, je joue des personnages. Donc, dans tous ces personnages, moi, tout ce qui m'importe, c'est écrire pour faire travailler un personnage dans un contexte bien précis. Il y en a qui seront jamais dans la merde. Il y en a qui auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il y en a qui seront jamais dans la merde. Il y en a qui auront jamais de problème. Et souvent, ce sont ceux-là même qui nous dirige et qui nous gouverne. Allez à vous! J'aime son univers, j'aime ses chansons et ce qu'il fait, puis j'aime beaucoup le bonhomme aussi. Ça fait un tout, c'est-à-dire il fait partie de ces gens qui sont pas différents dans la vie et sur scène. Le bonhomme qu'il amène sur scène, c'est celui qu'on a l'occasion de rencontrer et dont on devine toute la générosité, toute la profondeur derrière la casquette, quoi. Mais c'est quelqu'un vraiment qui a une belle écriture et une belle approche de l'humanité des gens. Voilà. Te dire du moindre de tes gestes, de la pointe du jour jusqu'au bout de la nuit, de tes baisers salés de leur goût qui me reste, quand je crève tout seul dans l'hôtel de l'ennui. J'aimerais te raconter ton corps à chaque rime, et les vers que je puise dans chacun de tes yeux, te parler de ton cul au poème sublime, parler de ta bouche quand on est tous les deux. Parler de ta bouche quand on est tous les deux. Je n'ai pas les mots pour le dire en deux mots. J'ai pas les mots qu'il faut pour le dire en deux mots. Non, je n'ai pas les mots pour le dire en deux mots. J'ai pas les mots qu'il faut pour le dire en deux mots. Comment te dire ce que je ressens près de toi? Je n'ose imaginer ce que par ton absence
ma vie aurait été, tellement l'évidence, y effacer les doutes. Quand tu es dans mes bras. Qui sont sublimes. Moi, je suis particulièrement touché, évidemment, par Vierzon, puisque je n'ai pas connu mon père et que je connais l'histoire de Vierzon, qui est une des plus belles chansons. Bon, il y a des mecs qui ont écrit des chansons sur les papas qui manquaient, il y en a eu des centaines. Hein. Mais celle-là, il y a des phrases essentielles dedans. Je n'ai jamais manqué de ce que je n'ai pas connu, je connais. Tu vois, il fallait aller la chercher, celle-là. Ça, c'est une vraie belle chanson, une vraie grande chanson. Voilà. Tout ça, ça me touche. Alors, encore une fois, ça raconte mon histoire, c'est ça. Et puis ça raconte l'histoire de plein de gens. Et il raconte l'histoire des autres, à travers la sienne. Qui aurait dit qu'un jour, entre deux chansons, je ferais un détour pour aller voir Vierzon. Ce que la vie est drôle, 40 ans sans se voir. T'arrives sans crier gare, et je pleure comme un saoul sur ta vie, sur ma vie. Qui aurait dit au reste qu'une moitié d'orphelin, que je fus sans conteste, un jour poserai la main sur le corps de celui qui fut tant de mystère, que jamais je n'ai dit le sobriquet de père. De ma vie, de ta vie, de ma vie, de ta vie. Serait-ce le sommeil d'un enfant couché tard, ou des gouttes de ciel qui mouillent mon regard? J'ai vu couvrir de terre ton corps en bois dormant, en recouvrant mon père, je perds en moi l'enfant. J'ai appris la mort de mon père, à savoir que moi j'étais parti quand j'avais 9 mois, donc j'ai un petit peu du mal au niveau des souvenirs. Et puis, c'est surtout, c'est pareil, je dis à un moment tu t'écartes aussi, tu t'oublies, même si pour le coup c'est la chanson qui m'est le plus proche, la chanson la plus autobiographique qui est. Mais tu l'oublies, tu t'oublies toi, parce que sinon tu. C'est surtout que je me suis retrouvé face à une émotion. Tellement dispatché, c'est-à-dire que je j'ai jamais connu mon père, j'avais une réelle émotion de tristesse de voir ce mec mort, un truc de putain j'ai un père, putain j'en ai un, c'est palpable, ça a été vachement important, et tout ce mélange-là, je dis d'abord que je n'étais pas le seul à vivre ce genre de choses, et tout ce mélange-là, je me suis dit putain si un jour j'arrivais à recaler ça, une chanson à montrer, vraiment le... Je suis très content de Vierzon pour le coup, je suis pas franchement à me regarder le nombril quand je suis autour de mes chansons, mais je suis très content de ma justesse de propos. C'est-à-dire que je pense avoir trouvé les mots qui recréent l'ambiance que j'ai ressenti profondément entre le refus, le rejet et l'envie totale d'y être, de faire ça, de ne pas être dans le refus, dans le rejet. Il y avait tout en même temps, une libération totale et une tristesse profonde. Et en même temps, je posais les valises, mais grave, à 40 balais, je posais les valises comme ça, mais c'est pas possible, à quel point ça a pu. Ce mec-là, en mourant en 40 ans, je dis ce mec-là, c'est quand même. Elle m'a permis de revivre un peu et de j'y ai gagné sur l'estime de moi, c'est marrant. Hein. Dans la vie. Dans ma vie, dans la vie, dans ma vie. Tiens, voilà le soleil, on ne l'attendait plus, disait-il. Il y a une paye, ce chanteur que j'ai cru. J'ai dû trouver des guides, des pères spirituels, des mots.
et des maximes pour me porter conseil. Le théâtre à Dijon. Première fois qu'on faisait le grand théâtre à Dijon. Hein. Ma mère était dans le public. Et j'ai chanté pour la première fois à ma mère devant 1000 personnes, un truc qui quand même la regarde énormément. En même temps, j'y mets comme des accents émotionnels comme qui sont un peu forts. Et j'avoue que le jour où je l'ai chanté, je me suis posé la question à savoir si je faisais bien de le faire, parce que c'est pas tout le temps. En même temps, c'est ma vie, c'est ma légitimité. J'ai le droit d'en ressentir ce que je ressens. Et ma mère, elle est loin de porter un jugement là-dessus. C'est quelqu'un d'intelligent, vraiment, vraiment très intelligent. Et donc, je suppose qu'elle a dû. Parce que c'est vrai que tu dis comment ça se fait qu'un mec qui vit quand même. Sa mère l'élève, elle élève trois enfants, son père se casse. 40 ans, il écrit une chanson sur son père et pas sur sa mère. C'est quand même hallucinant. Ben voilà, tout est dit. Je ne vais pas m'épancher. C'est la fin d'une nuit qui s'est éternisée. La fin de l'insomnie, l'arrêt de la douleur n'a pas fait plus de bruit qu'un bris de cœur. Hommage au père, oh bah, puis la mère qui est restée là, qu'est-ce qu'on fait? C'était rigolo parce que j'avais cette chanson que j'avais commencé d'écrire depuis longtemps, puis que j'ai fini au moment de l'album d'ailleurs. Et c'est vrai que celle qui m'avait inspiré la chose, c'est ma mère, parce que les mains de ma mère restent ses mains à elle. C'est vrai que j'aurais pu parler des mains uniquement des mères, mais après développer comme chanson, c'était plus difficile pour moi. Et à travers ces premières mains, quand on est haut comme ça, on arrive à peu près au niveau des mains, et les mains des femmes ont été, je trouvais, les mains de ma mère c'était quelque chose d'assez formidable pour moi, et les mains des femmes en général, de celles qui j'ai dû être élevé plus par des femmes, c'est ce qui a motivé le truc, et on est bien élevé par des femmes, ça reste quelque chose qui m'a plu. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ces mains-là et à travers celles-là à ma mère, puisque effectivement les premières mêmes femmes que j'ai connues, c'est les siennes et c'est celles qui m'ont ému. Et c'est vrai que même aujourd'hui, que les mains qui me plaisent sont souvent des mains qui ressemblent à celles de ma mère. Mais bon, en même temps, c'est un truc qu'on a, je pense qu'on garde, et puis qui pourrait être personnel à la base, mais le fait que j'ai fait une chanson, voilà, ça c'est... Je garderai en sentinelle, dans ma mémoire dévoyée, ces mains ouvertes comme les ailes qu'elles m'ont aidé à déployer. Je ne sais plus le goût des bouches où mes lèvres se sont posées, ni les cœurs gravés sur les souches et leurs serments d'éternité. Ni les mots gourmands d'une dame délicieusement susurrés, mais je sais que les mains des femmes, jamais je ne les oublierai. Mais je sais que les mains des femmes, jamais je ne les oublierai. Tant aimé les mains des femmes, sur mes mots s'est posé le baume d'une empreinte ou d'un jeu de paume. De mains de femmes, de mains de femmes, de mains de femmes, de mains de femmes. Les gens disent que ma maison est hantée, que j'ai des milliers de plates au fond de mon lit la nuit, alors que je regarde Bambi en DVD. En
faisant des petites nappes à mes poupées Barbie et Mimi. Quand on ne connaît pas, on raconte n'importe quoi. Les on-dit et les cancans rendent les gentils méchants. Allez. Quand on ne connaît pas, on raconte n'importe quoi. Les on-dit et les cancans rendent les gentils méchants. Ah ben c'est... C'est aussi un électron libre, c'est-à-dire qu'il a, il a un parcours qui est particulier. Enfin, c'est vrai qu'il a tout donné, quoi, alors qu'il avait déjà un parcours derrière lui qui était complètement différent. Enfin, moi ça m'interpelle, parce que moi, à 12 ans, j'écrivais des chansons, je voulais être chanteur. Alors que lui, il a attendu quand même un long moment avant de vraiment se lancer, quoi. Enfin, moi, je vois comme ça. Hein. Il a tellement de caractère... Enfin, on n'imite pas jamais, il a quelque chose. Enfin, si, on pourrait toujours l'imiter. Mais il a une particularité qui fait que jamais, il signe jamais. Quoi. Comme Buffet signe Buffet, comme... il a une signalétique particulière. Donc je pense que ça va rester, quoi qu'il fasse. Mais c'est à lui de le mener, maintenant. Les gens disent que la maison est tentée. Avec cette ville, il est... J'ai voulu faire une chanson justement qui n'était pas forcément oh, ma Dijon, comme t'es belle, comme je t'aime, ou je sais pas quoi. Non, je l'ai haï, elle m'a gonflé, elle m'a fait chier quand j'étais jeune. C'est une ville que la belle endormie, c'était casse-couille, c'était vraiment difficile de jeune de se sentir libre là-dedans. Il y avait tout un truc quand même comme ça, qu'un rapport qui était assez. Rapport. Mais en même temps, profondément, et pourtant je ne le revendique pas, mais je me sens très très enraciné. Je suis pas quelqu'un de Je suis assez sédentaire, je suis bien chez moi, j'aime bien savoir qu'il y a mes amis là, qu'il y a des gens que je connais. Donc je ne veux pas faire dans le chauvinisme absolument benêt de ma ville. Non, j'y suis bien, j'en connais ces rues, j'en connais pas forcément l'historique de façon hystérique d'ailleurs. Je connais d'abord ça a été mon outil de travail, c'est là-dedans que j'ai travaillé ma vie, en gros. Hein, donc voilà, c'est... Je le connais de ce côté-là, moi je connais ce décor-là. Je revendique le fait de ne pas forcément être un érudit sur Dijon, mais en tout cas l'avoir vécu. Moi je l'ai vécu cette ville, d'autres peuvent en parler, moi je l'ai vécu, c'est différent. Pour avoir foulé ton pavé, usé mes semelles sur tes trottoirs, je te connais du bout du pied, du bout du cœur, du bout du regard. Le temps que je circule, que je coule dans tes artères, cellule parmi tes cellules, c'est ton cœur qui me régénère. Pour ces heures passées dans tes nuits, ma pudique bourgeoise, ou pour me faire le don d'Ali, tu fus plus que courtoise. Je te salue, ma belle Dijon, ô maîtresse burgonde. Je te salue, ma vieille Dijon, et nulle part au monde. Dans ce cas, je n'aurais voulu naître. Bien sûr, tu as exacerbé mes aigreurs de jeunesse, et tu es longue à décoincer, à te bouger les fesses. Aussi, j'ai voulu te quitter pour une autre plus littorale. Bien que la vie fût dessalée, me manquait mon canal. Et vois-tu, je suis revenu, ma précieuse bourgeoise. Et je ne te quitterai jamais plus pour une plus grivoise. So is to you, ma belle Dijon, or my Burgundy mistress. So is to you, my old Dijon, and only here. Ben voilà, tiens, on finit l'enregistrement de Dijon en anglais, où je brille particulièrement.
C'est mon truc, l'anglais. L'Amérique, oui, l'Amérique, je vais la voir et je l'aurai. L'Amérique. I run through your narrow streets on the cobblestones. I know you at first glance, from my toes to my heart. Since the time I took my first step, I flowed through your veins, a cell among the others. Your heart regenerates me. Those hours passed into nights, my stuck-up bourgeoisie. You made a place for me in your bed, and we're more than courtoise. So is to you, ma belle Dijon, or my Burgundy mistress. So is to you, my old Dijon, and only here could I have been born. Oh, so you enraged the bitterness of my youth, but it took time to loosen you up, to get off your butt. I wanted to leave you for another on the coast, so she was saltier. I miss my sweet canal. So you see, I've returned, ma précieuse bourgeoise. And I'll never leave you again for another temptress. So is to you, ma belle Dijon, or my Burgundy mistress. So is to you, my old Dijon, and only here could I have been born. You were a prude, you went from blue blood to blue shred. Since you let your hair down, I'm no longer in the mood. I am getting a bit older and cultivate our differences. I'll nest in your fragrant neck till my last breath. Those hours passed into nights, my stuck-up bourgeoise. You made a place for me in your bed, and we're more than courtoise. Sorry's to you, ma belle Dijon, or my Burgundy mistress. Sorry's to you, my old Dijon, and only here could I have been born. Ça, c'est pas une ville, ça, sont les lumières. So is to you, ma belle Dijon, or my Burgundy mistress. Je te salue, ma belle Dijon, et nulle part au monde je n'aurais voulu naître. Oh, Obama got it for a hard time.
Et il n'y a pas un tag. L'Amérique, je vais la voir et je l'aurai, l'Amérique. Et voilà, de toute façon on fait que passer et en plus je vais passer que par hasard moi. Ciao. Et au compte à rebours. Valser. J'ai bien failli perdre la tête et la raison. Finalement, j'ai perdu ma casquette et elle s'est envolée avec mes illusions. Pour me revenir d'une main fluette, je ne sais plus qui de ma main ou bien de la sienne caressa l'espoir d'un rendez-vous. Mais me voilà planté au milieu d'un Eden, enfin moi, je devrais dire nous, car pour Bégoda de tout a changé en écoutant le son de son corps, quel pied.